Ouais, si c'est ton gars sûr, tonton Gibbs, ce qui est Pretty Boy Floyd, et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week. Brother! Oh man! J'espère que vous êtes en forme, les sisters et les brothers. Quant à moi, je suis très content de vous retrouver pour un SOTW. Alors tout de suite, la sélection des paires dont je ne vous ai pas parlé depuis mon dernier Sneaks of the Week. C'est une sélection, je le répète toujours, et je le répéterai toujours, hein, je ne parle pas de toutes les sorties, c'est pas possible, il y en a trop. Et tout de suite, après cette sélection, le SOTW, donc les paires qui arrivent la semaine prochaine, lourd au max, brother, oh man. Yeah. La liste des paires citées dans l'émission est dans la description, avec quelques liens pour en cop et vous faire plaisir. La sélection, c'est parti. Le 24 mai, très joli Air Jordan 2 Decon, ou Deconstructed Pack, constitué de trois colorways, une mint form, une bordeaux et une mineral gold. La paire est à 150€. Malheureusement, cette très jolie chose est sortie sur divers continents. Pour l'Europe, c'était principalement la bordeaux. Le Japon et la Chine ont eu la mint et la gold aux États-Unis. Autant dire que ce genre de pack est kiffant à avoir au complet. Really good cup. Pour les trois colorways, certains shops ont quand même eu des mint pour l'Europe et d'autres des bordeaux pour les États-Unis. Le 31 mai, entre autres colorway Ultra Boost, est sorti une très jolie Adidas Ultra Boost 3.0 LTD Bronze au max, édition limitée sold out. Le 1er juin est sorti la collection Day to Night, 5 modèles de Nike Air Vapor Max au max à 210€, représentant plusieurs étapes de lumière passant du jour à la nuit, 3 modèles femmes et 2 modèles hommes, qui sont les deux bleus les plus foncés. Et je vous mets quelques liens pour cop ce feu, car figurez-vous qu'il en reste. Le premier était décidément une belle journée avec le pack Bichu constitué de 4 paires arc-en-ciel qui représentent le drapeau de la communauté LGBT, qui veut dire lesbienne, gay, bisexuel et transgenre. C'est toujours important de savoir ce qu'on porte au pied. Ce système Bichu, instauré depuis 2011, vise à mettre fin à la discrimination dans le sport et par le sport. Ce programme a déjà rapporté plusieurs millions de dollars aux États-Unis. Ce joli pack est constitué d'une Air Zoom Pegasus 34 à 115€, une Cortez, une très réussie Flight Knit Racer à 160€ et également une Vapormax à 195€, sold out direct. La Cortez, je ne l'ai pas vu sortir, à croire qu'ils l'ont supprimée ou repoussée pour l'Europe. Pour ce pack aux États-Unis, c'est le 5 juin. Et la Cortez y sera, ça c'est sûr. On reste au 1er juin et on reste dans un des modèles les plus emblématiques de la marque, avec la classique Cortez qui fête ses 45 ans cette année. Plein de nouveaux colorways hommes, femmes, avec encore la réédition de la OG rendue populaire avec le film Forrest Gump. Si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir, c'est un film exceptionnel. Donc ce colorway en spéciale édition pour le birthday homme, 90€, et le modèle femme WMNS 85€, qui n'est pas lui en édition spéciale. Juste des petits détails qui changent, mais le colorway reste le OG. Plus sympa Cortez Oregon, au max, très joli, une Cortez Compton aussi, qui déboîte, ou encore d'autres colorways Jewel, Ruby, Black Diamond et autres. Une collab au parfum d'été entre Carhartt VIP et Converse sur 3 Chuck Taylor All-Star 70s. Des Converse au colorway populaire Carhartt, Omax, Brown et Grey Camo, elles sont encore dispo à 100€, du lourd, elles sont très belles. Vendredi 2, collab de shop hollandais Omax entre Pata Amsterdam et Woi Rotterdam, ma ville de naissance. T-shirt et hoodies Omax, j'ai pas pu résister, c'était fait pour moi, je crois qu'il en reste encore, dépêchez-vous. Vendredi 2 juin, de la SAP orientée football, collaboration Kiss et Adidas Soccer Flamingo et Cobra Collection, dont la fameuse paire de Ace Plus 16 Pure Control Ultra Boost limitée à 500 exemplaires montre, qui a été repoussée au 2 juin, une collection ultra complète, du ballon au boxeur, survêt, short et chaussettes, et 5 autres paires de Ace Plus 17 et 17 Plus, dont la Copa Mundial 17,1 Ultra Boost au max de la team Cobra. Les footballeurs Hypebeast en seront ravis, il y a du lourd et du moins lourd, c'est juste une question de goût, mais en tout cas, il y a du choix.
Samedi 3, un colorway inédit pour la Air Jordan 7 White Metallic, Silver dispo un peu partout. À 190€, les fans de la 7 pourront se faire plaisir en toute tranquillité, dispo en GS, petit pied également. New Balance, un très joli pack nommé Cumbria, qui représente la région et l'usine du même nom, Cumbria. Trois paires au max et parfaitement parfaites pour un été au KLM. Une CT300 à 139€, une 770 et une 1500 au max à 159€. Je kiffe et on va peut-être en reparler. N'oubliez pas la Titolo Intrépide 5 Almonds dont je vous ai déjà parlé, une globale release au rendez-vous à 190€. Dimanche 4 juin, aujourd'hui même, aux États-Unis, une Adidas Yeezy Power Phase Calabasas à 120$. Perso, je passe mon tour, mais je suis sûr qu'elle aura son succès. Donc voilà pour les sorties des deux dernières semaines, la famille. Saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur, maintenant! Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti! Lundi 5 mai, on commence avec la Nike Air Famposite Pro Fleece et on continue de célébrer les 20 ans officiels de la paire avec cette version lifestyle de la paire couverte de matière fleece. Elle sort à 220€. Elle se fait attendre la petite Air Max 1 G-Well qui sort dans deux colorways, les mêmes que les Cortez déjà sortis la semaine dernière, une Rare Ruby et une Black Diamond à 140€. Joli. Mardi 6 juin, le très joli pack New Balance Essence sort plus largement constitué d'une M997 magnifique à 260€ et d'une ML1978 à 199€. Très joli, en plus de la collab en elle-même, hein, avec Essence, la marque de chaussettes la plus connue des sneakerheads. C'est parfait. On passe au jeudi 8 juin pour mes marathoniens, une Nike Zoom Vaporfly 4%. 4% car tout simplement elle est connue dans le but d'augmenter la capacité d'un coureur de 4%. Hormis ça, je la trouve originale pour le coup, peut-être un peu chère, 250€, mais pour un compétiteur qui veut améliorer son temps, ça n'a pas de prix. Le 8 toujours, un restock, encore un restock. C'est le cinquième je crois hein, pour cette paire. Un plaisir pour ceux qui ont réussi à ne pas l'avoir. Énervement garanti pour ceux qui l'ont déjà, la Nike Air Max 97 Silver revient encore sur les planches à 180€ comme d'hab. Le 8 juin, du très lourd avec cette Nike SF Air Force One à 180€. Tenez-vous prêt, ça part vite, paire pour la guerre. Dans la semaine également aux États-Unis, une collab avec un concept plutôt original autour de l'espace, la NASA, etc. La collab se fait entre Tom Satch, un artiste visuel, et Nike qui nous ont pondu une paire. Très belle, la Nikecraft Mars Yard 2.0. Elle sort à 200$ pour la COP, ça se passe au Space Camp, une expo qui a lieu sur Governor Island à New York du 8 au 18 juin avec des sessions à réserver sur Nike.com US. La paire est aussi à COP sur Nikecraft.com. Bonne chance. Le 9 juin, Porter et Adidas Consortium collaborent sur ce modèle NMDC1 Core Black à 165€. Dur à cop, mais pas impossible, tenez-vous prêt. Le samedi 10 juin, la Air Jordan 13 Low Chutney à 175€ et 120€ GS. Je ne suis pas sûr pour Nike.com, mais elle sera en Europe, ça c'est sûr. Le 10 également, du restock Iniki Runner au max à 120€. Il y aura de la black, la marine, la red et de la green. Et pour finir ce 10 juin, une collaboration entre Trap, un skate shop allemand, et Vans, modèle Half Cab à 65€. Paire sortie pour défendre un spot de skate à Williamsburg Bank qui risque d'être détruit si j'ai bien tout compris. It's done, family! Voilà pour cette semaine, soignez votre connexion et chargez les chargeurs. Oh man, si tu as kiffé, tu peux appuyer sur le thumbs up ici en bas de l'image, ça fait toujours plaisir. Et moi, ça m'aide dans le référencement de mes vidéos. Donc quand vous cliquez sur like, vous me donnez de la force. Et ça, j'apprécie beaucoup. Oh man. L'abonnement à la chaîne est complètement gratuit et sans aucun danger physique. Direct en tout cas. N'oubliez pas la liste des paires citées dans l'émission et dans la description. Je tiens à préciser aussi que c'est une émission enregistrée, préparée. Et qu'une fois en ligne, je peux pas la modifier. Donc il peut y avoir des sorties repoussées ou annulées. C'est aussi à vous de vous tenir informés les gars. Je vous rappelle encore que c'est une sélection et qu'il y a beaucoup d'autres paires qui sortent chaque jour dans toutes les marques. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, les liens
liens sont un peu partout sur ma chaîne. Pour les curieux, c'est souvent sur Instagram que vous pouvez spoiler les futures émissions qui arrivent sur, sur YouTube. Un grand merci à vous pour la force et à très vite pour une nouvelle émission. Here be back, brother.